suis Clément Bessaguet, j'ai 32 ans et ma discipline c'est le pistolet vitesse olympique. Mes débuts au tir c'est vraiment du hasard parce que ouais, j'ai fait du foot de 7 ans à 14 ans et j'ai un petit peu mal au genou parce que j'ai grandi un petit peu trop vite. Du coup pendant un ou deux mois il fallait que j'arrête de courir. J'ai testé par hasard pour m'occuper et j'ai pris un pistolet en main, j'ai tiré un plomb et j'ai vraiment adoré directement quoi. C'est un peu un coup de foudre et du coup j'ai pas repris le foot la saison d'après et j'ai fait que du tir. Ma discipline, c'est le pistolet vitesse olympique. Deux séries en 8 secondes pour tirer sur les 5 cibles, ensuite deux séries en 6 secondes et ensuite deux séries en 4 secondes. Et le 4 secondes, ouais, c'est le plus dur de mon match. Nous, on appelle ça le juge de paix. La moindre erreur est fatale et on a très peu de temps, je dis n'importe quoi, mais si par exemple on monte de travers, on a très peu de temps pour ramener chaque balle dans chaque cible. Puis c'est là où on peut perdre un match. Quoi. La vitesse olympique, c'est un petit peu tout en un en fait. Il faut être précis dans un temps très court. On va pas dire que je m'ennuie vite, mais voilà, il faut que ça bouge pour moi. Je fais beaucoup de sport à côté. J'essaye de faire deux fois par semaine de l'escalade, on va dire. J'y suis peut-être deux heures à chaque fois. Donc je peux monter, quand je vais en salle, c'est maximum 14 mètres, je crois, la salle où je vais. L'escalade, c'est vraiment une bouffée d'oxygène parce que bah, c'est un autre sport que j'adore pratiquer et que je pars de très bas. Donc c'est un sport où j'arrive à progresser facilement. Ça me fait travailler aussi l'équilibre et tout le corps. Ça fait un lien assez sympa avec le tir, je trouve. Et l'équilibre, c'est très important puisque moi, dans mon tir, vu que je tire rapidement et que j'ai un mouvement donc, du bras et de tout le corps sur chaque cible, bah, on peut avoir des problèmes d'équilibre par moment. J'essaie de travailler ça à l'escalade d'une manière, on va dire, ludique. C'est avec des positions de doigts un peu spécifiques. Ça fait travailler les avant-bras, les poignets. Et oui, je pense que ça fait aussi un parallèle avec moi qui serre la crosse de mon pistolet quand je tire. Le fait d'être un super compétiteur, je pense que c'est une force pour moi. C'est ce qui me galvanise. Quand on fait des finales ici à l'entraînement, ben, je gagne rarement. Je suis facilement battable entre guillemets et quand je suis en compétition, ben là par contre ça n'a rien à voir et je suis peut-être 95% du temps médaillé. Donc je pense que j'ai toujours été comme ça, je suis bon au pied du mur et quand j'ai pas le choix en fait. Je suis numéro un mondial parce que je suis très régulier et je suis conscient que mes adversaires ils savent que quand je suis à la compétition, entre guillemets, il y a une médaille en moins à gagner. Rendez-vous à Châteauroux.